you? Salut à toutes et à tous, c'est Jake, vous êtes dans Regard dans le Rétro, on est sur Ivasson Studio et sur Pokémon Rouge. Alors nous sommes dans cet épisode 5 et il me semble qu'on devait attaquer l'arène. Est-ce qu'on la rush ou est-ce qu'on va pas la rush? J'ai enfin un tour du côté des Pokémon. Je pense que je vais en chier quand même un peu. Ouais. Tac. Je vais en chier un peu, je pense. Oui, allez, c'est parti. On va donc affronter Ondine d'ici quelques combats. En attendant, on se tape le nageur avec des hippotrempes. Un hippotrempe en l'occurrence. Pourquoi est-ce que je mets Abra en premier? Tout simplement parce que... Allez, je vais me faire défoncer. Parce que je veux le faire évoluer assez rapidement. Ça va, c'est pas très... Ah, j'ai que Volvie avec Misterbe. Ah, c'est pas top. Bon, ben, faisons du Volvie, hein. Je crois qu'il a deux hippotrempes, le nageur, en plus. Un dernier coup. Voilà. Coquillas. Oui. Je vais remettre Abra pour l'XP. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, je le rechange de suite. Contre Ondine, ça va pas être la même chose. Ouh, s'il me fait des charges. Est-ce que je peux tenir 4 Volvies? Donc là, plus que 2. Je sais pas. Ça tient, c'est bon, ça passe. Ok, ça c'est bon. Elle est super forte, blablabla, blablabla. Alors, est-ce que j'ai des trucs antidote, sortie, passe-bouton? J'ai pas de potion. On va mettre un peu plus à Abra. Super bonbon, oui. On va le mettre. Sur Abra. Et encore une fois. Sur Mister. Histoire de monter un peu plus en niveau. Et ouais, non, pardon, ouais, donc je vais devoir passer par le centre Pokémon pour affronter le deuxième dresseur. Parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Par contre, c'est pas top. Arène numéro 2 sur le 5ème épisode. Je sais pas en combien de temps on va faire la ligue. Non. Voilà, je parle et du coup je soigne mon Pokémon deux fois. Allez, dresseur numéro 2, enfin nageur du coup, que je ne pourrai pas échapper, voilà. Je suis très balèze, Ondine entendra. Dresseur junior femme veut se battre. Oui, pardon, désolé, une petite absence.
Oh, il y a du pic-pic sur ça. Oh. Non, mais non, mais non, mais... Oh. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mystère, voyons. Et là, il va y avoir un pic-pic. Voilà. Ça fait mal. Oh mon dieu. Ça fait très mal. Non! Ouf, ça va. 1, 2, 3, 6. Ça ferait 6 vols vie. Je vais pas tenir 6 vols vie. Hein. Allez, 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 allez. C'est moi qui passe en premier. Oh, c'est bon, c'est du mimi que ça va. Mais je suis pas passé en premier. Mimique, ça passe. Un dernier coup, et là je vais avoir le droit du pic-pic, voilà. Et là c'est mort. Oh putain, pardon. Racaillou. Allez. Après tout. Charge. Sérieux? L'armure, si tu veux, mais je crois que tu ne peux plus rien apprendre, toi. Ah si, autant pour moi. Je ne sais pas lire mon écran, c'est super. Alors, on retourne encore au centre Pokémon. Et une fois cette fois-ci... C'est reparti. Hop là. Nous entrons dans l'arène. Putain de manette. C'est reparti. Je suis à nouveau blabla, dresseur blabla, stratégie blabla, Pokémon, c'est quoi ta tactique blabla, 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 blabla. Ondine veut se battre. Elle fait appel à Starry. Non, pas Abraham. Par contre, ça me fait mal, les charges, c'est pas... C'est pas tip-top. Moi, si tu veux, ça, c'est pas très... Oh! Ah, bobo! Critique. Yes. Apparemment ton niveau 15 c'est bon. Star, c'est ce que j'ai pu changer de Pokémon. Non, je garde Mystère et je continue sur du vol 8. De manière, Mystère n'a que du vol 8, je n'ai pas le choix. Par contre, ah, là c'est pas la même, c'est pas la même affaire là. Ah, il me fait que ça. Bobo. Efficace. Et je change de Pokémon. Rakai. Allez, on tente. Par contre, s'il me fait une charge qui me reste, c'est pas. Attendez, attendez, j'ai bugué sur quelque chose là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que je comprends pas là. Roche, eau. Je suis en train de bugger mais violemment. J'ai un gros problème. Dans ma tête c'était la roche plus puissante que l'eau. Mais en fait pas vraiment. Je vais perdre. Au secours. Non, peut-être pas. Il recoupe heureusement avec moi. Alors, je suis désolé, je bug violemment mais... Je sors d'un état grippal, donc j'ai pas toute ma tête. Ah,
J'aurais bien voulu faire XP, bon tant pis. Oui, j'ai vaincu Undyne, c'est bien, j'ai un badge. Allez, oui, blablabla. Oui, oui, c'est cool, allez, c'est bon. C'est bon, suffit. Cool. C'était bon. Attends, c'était 11. Hein. Objet. Elle contient Bulldo. Apprendre Bulldo à un Pokémon. Je ne sais plus si mon Carabaf a Bulldo en fait. On va voir. Eh ben c'est parfait. Alors je suis pas fan de tout ce qui est Mimikyu tout ça, mais là mais. Ah bah c'est bon. Ah c'est bon, on se casse. Centre Pokélol. C'est parti, mon kiki. Oh. Bien. J'ai peur pas chouette, c'est cool. Je vais jeter un oeil. Alors, j'ai un Paras, mais j'aimerais ne pas le garder, en fait, pour le moment. Tac, tac, tac. J'aimerais ne pas le garder. C'est méchant ce que je dis, en plus. Oh là là. Stocké. Paras. J'aimerais retirer. J'ai un Crisacier que je pourrais mettre en Papillusion au niveau 10. Piafabec, Ratata, Paras. Quoique. Non, on va regarder Paras au final. C'est juste pour le niveau, au cas où si on a des soucis qu'il serve un petit peu au combat. Parce que si je prends un niveau 7, je pense pas qu'il serve beaucoup au combat. Maintenant, on s'en va, mais par en haut. Je pense. C'est ça. Et... Tac tac. Attends une minute. Je t'ai parlé à toi. Ils m'ont volé une CT pour apprendre un Pokémon. Et bah, ça m'a coûté... Ah, mais je t'ai pas battu toi alors, ça veut dire. Bonjour. Alors, non, pas téléport. C'est un match-choc, hein. On va prendre Carabaf. Et on va lui faire des bubules. Ah oui, quand même. Soporifique. Ça voudrait dire que je repasse 60 Pokémon après. On essaye. Je suis pas très fan des Pokémon psy contre moi. Je sais pas ce qu'il m'a mis. Assez cher, je pense. Ça va. C'est vraiment une faiblesse pour moi les Pokémon psy. Bulldo. J'aurais dû me rendre au CT28, c'est tunnel je crois. On va la rendre au monsieur si... D'accord, on va garder tunnel alors dans ce cas. On peut pas y aller pour le moment. La piste cyclable. On va rush ici par là. C'est par là. Et il me semble qu'il peut y avoir des ferro-singes là-dedans. Si vous vous souvenez du premier épisode. Et j'en ai pas trouvé. Mais là, je pense qu'il y en a. J'ai dit je pense. Hein.
Mais de toute manière, mon ferronçon, que je pense vouloir capturer ici, ne sera pas vraiment utile au final, vu que j'ai un racaillou qui a les attaques que je voulais. Aïe aïe aïe. Non, je ne mets pas de Pokémon en pension. On va juste y passer, voir s'il n'y a pas un truc à récupérer dedans. Ce qui m'étonnerait. Je m'occupe de la pension. Veux-tu gérer avec tes Pokémon? Non. À plus tard. Oui. Non, mais non, 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 non. Non, non, n'élève pas de mes Pokémon. Ça me ferait tout merde, je perdrais du temps à y retourner. Ce n'est pas par là. Je suis de garde, mais je crève de soif. La route est fermée, dégage. Donc toi, tu nous délivreras quand on apportera à boire. Donc on va passer vers là. Délivrera, enfin vous avez compris. Toi on s'en fout, tu vas nous, je crois qu'il va nous nidor ou un truc comme ça. Là il y a des objets cachés, mais je ne sais plus quoi. Ils sont où? Eh bien, il y en a pas? Sérieux? Bon, on se casse. En passant, je clique en même temps au cas où, mais s'il me dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Là, il doit y en avoir un aussi par là. Et... il est où? Une potion ou un super bonbon ou quelque chose du genre? Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. On s'en va. Là, il y a plusieurs des... il y a plusieurs dresseurs là-dedans. On va les faire. On va les faire. Et cet épisode, du coup, montrera jusqu'à l'entrée à Océane. De l'Océane. C'est Naspico? Bah, oups. On va pas chercher loin, hein. Je reste là. Ça se peut qu'on peut rentrer. Voilà, le suivant. Empoisonné, heureusement. Je suis pas passé par le commerce. C'est pas bon, je suis pas passé par le commerce. Je vais être en manque de plein de choses. Il y en a pas là. Je pourrais les éviter eux, mais non, on va les faire. De toute façon, les combats de dresseurs rapportent plus d'XP que les combats dans les hautes herbes. À quoi toi? Un carapuce? Très bien. Pourquoi j'appuie à chaque fois? Non mais, mystère. Il est niveau 20 par contre, ça va faire mal. Piste là-haut. T'es en train de m'arroser mon gros. Mais j'ai pas le temps d'attaquer. C'est pas top. Bon, on va spammer ça comme ça alors, tant pis. Je crois qu'il n'y a pas trop de dresseurs en plus sur cette route.
Voilà. Au suivant. Du moins à la suivante. Mais pourquoi j'appuie à chaque fois? C'est un ratata. On va tenter le racaillou, même si je pense que ça va faire bobo. Il va me faire une vive attaque ou une charge. Oh, ça va, c'est pas très. Frappe Atlas, vas-y. Oh. On va plutôt faire l'ultime à point alors. J'ai un peu mieux. Aïe. Comment ça j'ai échoué? Voilà. Un Pikachu. oui. Oh, quoique. Je pense pas que comme Pikachu fasse trop de mal au racaillou, néanmoins il y a quand même 5 niveaux de différence. Ça peut faire la différence justement. Et si je fais une frappe Atlas sur lui. Adieu, racaillou. Ah non. Ah bah ça va alors. Bon, une petite charge pour finir. Non, bon, j'ai pas d'effet sur ça. Ah, enfin. Enfin, c'est pas trop tôt. Là, vous allez voir que après, je vais le sortir plus souvent. Exemple, par là, je pense que... Bon, après, mon cadavre. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es puissant. Ah. Je pense pas que ça fasse grand-chose contre un Papillusion. Voilà. Oh. Oh, oh, pourquoi pas. Non. Je n'ai pas de réveil en stock, je crois. Allez, réveille-toi. Eh, réveille-toi. Oui, à moi. C'est mon tour là. À moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Voilà, c'est bon. On s'en va. Et c'est les deux derniers, je crois. On va juste faire un. Il n'y a pas d'objet là. Non. Un petit tour dans les hautes herbes très rapidement. Juste un combat, voilà. Pour voir ce qu'il s'y trouve. Ratata, un Roucoups. Bon, oui, on se casse. C'est pas très intéressant tout ça. On se casse. On fait ça. Oh mon dieu. Hop là. Trois Pokémon.
Adieu. C'était à prévoir. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Je dis vague. En plus, Roukoups. Après tout, il y a une grosse différence de niveau. Duel de tornade. Il y a que des... Ah, j'ai de sable. Ah, ça c'est chiant ça. Non, je change pas de Pokémon, non. Allez, c'est bon, suivant. Un Piafabec. Oh putain, c'est le truc qui attaque plusieurs fois ça. Ouais, c'est pas très... Roukoups du coup. C'est bon, t'as fini? Encore? Une bonne nouvelle. Changer de Pokémon. Non, par contre, un Rattata, j'aime pas ça. Mais pas du tout. Parce que ça a croc de mort, cette merde. Et croc de mort, ça fait très mal. Ouf, c'est bon. Ça va. On s'en va. Et on arrive donc à Carmin-sur-Mer. Et on va parler un petit peu à tout le monde. Salut, la pollution c'est mal, on dit que ta mort se multiplie. D'accord. As-tu vu l'océanoport? Oui, j'y vais après. Mais d'abord on va régénérer tout ça. Oui, pourquoi je garde un abracadabra dans... Oui, qui s'est évolué un cadabra. Dans mes Pokéballs, enfin tout le temps et moi maintenant. Tout simplement parce que je sais plus si je l'avais dit, mais il est il a le téléport, et téléport c'est bien, vous allez voir, je vais l'utiliser assez souvent. Je regarde un petit peu tout ça. Deux Pokémon de même niveau sont différents, blablabla. Toi t'es qui toi? Je suis le maître pêcheur, la pêche, blablabla. Eh oui, j'ai une canne à pêche dès maintenant, c'est génial, c'est la vie, c'est la pêche. Ok. On va pêcher de suite pour attraper un Magikarp très rapidement pour vous montrer. Canne. Oh, ça mord. Un Magikarp, oh là là. Niveau 5, lol. Il y a toi à la limite. Si je jouais avec ça quand même, ça va être rigolo. Oui, effet trempette, ça n'a pas d'effet. Ah. Je voulais le capturer en fait. Désolé. Ah, je suis tellement désolé. Obligé. Canne. Non, canne. «
Est-ce que ça marche si je le capture directement? Je sais pas comment j'ai de Pokéball. Objet. Sérieusement? Mais c'est un Magikarp niveau 5. Mais... j'ai pas assez de... Pokémon bas niveau en main là. Bon, tu m'énerves. 3 Pokéball quand même, ça fait beaucoup. Niveau le plus bas, 12. Allez. Comment perdre du temps sur un rush type Pokémon avec un Magikarp? Il fait pas trop mal ce père quand même. Voilà, c'est bon. Tout ça pour ça, 4 Pokéballs sur Magikarp quand même. Ah blablabla. Voulez-vous donner un... Non! Non! Je voulais pas... Je voulais pas... voilà. Ça s'est fait... Où est la boutique? Non, c'est pas... Tu me parles de quoi toi? Je construis un immeuble. Ok. Là il y a du shop, on va aller choper de suite. Non, juste après, on ira choper après, on va d'abord finir les bâtiments. Salut, t'as un piaf à bec contre un joli canard artichaut, je n'ai... Attends, attends, quoi? Dites-moi, je n'aurais pas par hasard un piaf à bec qui traîne dans mon centre Pokémon? Oui, alors on va parler à toi. Oui, blablabla, 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 blablabla. Voilà. Ce bon commande va me servir à recevoir une bicyclette. Et on s'en va parce que je crois qu'il n'y a plus personne qui veut nous dire quelque chose ici. Donc là il y a l'arène mais on a besoin de la coupe donc il faudra passer par l'océan qui est de l'autre côté. Je continue. Et toi je crois que c'est le gars qui rename. Ah. C'est tout? D'accord, donc c'est pas toi, je ne me souvenais pas de ça. Chop, oui, on va choper de suite. Oui, je vais acheter des Pokéballs. Je n'ai plus beaucoup. 5. Super potion. 4. Anti-gel réveil. Anti-para, repousse. C'est tout. Alors, je vois que donc il y a un échange de canard artichaut. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, c'est surtout pour le Pokédex. Sauf qu'un piaf avec, je crois, j'ai bien dit, je crois que j'en ai un. Et comme je n'aime pas du tout les piaf avec, eh bien, on va faire ça. Je vais stocker mon paras. Je vais retirer un piaf avec. Par contre, maintenant, du coup, c'est... Il est en pleine forme, tant mieux, ça m'évite de le heal là, maintenant. Je suis en train de perdre un temps monumental. Bonjour. C'est parti. Thank you.
Oh la tronche. Oui, j'en prendrai soin de ton canard artichaut. C'est parti, alors juste très rapidement, Pokémon, canard artichaut, tu es niveau 3. C'est quoi tes attaques? Pic-pic et jet de sable. Ok. Et il s'appelle Julio. J'ai oublié qu'ils avaient rename leur Pokémon. C'est pas grave, on va le garder comme ça. On s'en va. Alors là, en bas, il y a l'océan, mais c'est pas là où je veux aller en premier. Là-bas, il y a des dresseurs, mais ça, je vous passerai ça parce que c'est un peu long. Il est quelle heure? Oui, je sais. Et justement, je cherche un Topicker ou un Triopicker. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le prochain épisode, normalement. Dis-moi que c'est un trio directement. C'est un Topicker tout court. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, si, à capturer, mais... Oh, il me griffe. Apparemment, je l'OS. Ça, c'est pas top, ça. Je veux un trio picker. Ah non, 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 non. Vite, 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 vite. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez. J'y vois rien dans la grotte, si la flèche un peu... Oui, oui, mais on l'aura après, on retourne dans la grotte. Si l'idée c'est de ne pas en sortir justement, c'est de choper un trio picker. Il nous reste pas. Parfait. Je le capture juste pour le lol. Mais dans tous les cas, il me faut un trio picker pour la reine de Carmin-sur-Mer. Trio picker. Non, toujours pas. Je me demande si sur canard artichaut il y a un effet ou pas. De sérieux. Histoire de qu'il prenne de l'XP comme ça en mode YOLO. Le piqueur. Non, toujours pas. Bon, on fait un dernier combat, histoire de... Un Topicker sauvage, encore. Un choc mental. Bien, bon, encore juste pour se conclure, on va s'arrêter là sur ce combat-là, sauf si c'est un trio picker. C'est un topicker, bon tant pis. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je continue ma chasse au trio picker en attendant. Et la semaine prochaine, on se retrouve à bord de l'Océane, le bateau qui est donc à Carmin-sur-Mer. Et voilà, allez, à la semaine prochaine à toutes.